Bonjour à tous, c'est ici Cléa Sim, et on se retrouve pour ce 54e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que la Castille, non, de l'Espagne maintenant. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre contre la France, enfin contre Gênes, vassal de la France, et je viens de regarder, la France est également en guerre avec plusieurs autres pays parce que Mantoue en fait est devenu une union personnelle avec la France. Ce qui, bien sûr, n'est pas tout à fait notre goût de ce côté-là. Donc, on va essayer d'écraser la France, de ruiner, bien sûr, cette optique-là, détruire le plus possible la Hollande aussi pour faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux pour nous et que la Hollande ne puisse plus être un empêcheur de tourner en rond. Hein. Pour l'instant, nous, on est alliés de l'Autriche, c'est très bien, mais quand même, la Hollande commence à être un gros problème. On a aussi, d'ailleurs, la Bohême qui peut être assez difficile. Mais on va essayer de s'en tirer pour le coup là-dessus. Alors, revendication fabriquée. Ok, la paix des Abénakis. C'est vrai qu'on voulait avoir la paix de leur part. Mais pour l'instant, ils n'étaient pas très partants. Parce qu'il nous reste ce territoire à conquérir. Mais déjà, là, ça se bat plutôt pas mal. 100 de puissance administrative qui vont être perdues. Rien de très grave en soi. On continue d'avancer. Très bien. On a récupéré la Guyenne. On va continuer de ce côté-ci. Pour l'instant, on ne peut pas. D'accord. On va attendre patiemment dans ces cas-là. Et je vais lancer aussi la construction de mercenaires en infanterie qui me permettront de récupérer des forces vives. Pour plus tard, alors certes, ça va dépasser un petit peu, quoique ça va dépasser rien du tout. Mais je pense que ça va être utile, surtout si on vient faire une guerre contre la France, d'éviter de perdre trop d'hommes. Allez, c'est pas mal, on devrait récupérer le Roussillon, et on a nos armées qui devraient pas tarder d'arriver d'ailleurs. Voilà, on va tout regrouper ici. On a remporté le Roussillon, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut aller... Non, on peut pas. Ok, on va attendre patiemment dans ces cas-là que les différents territoires tombent. Alors, colonie suffisante pour nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Elle se trouve ici. Très bien. D'accord. Est-ce qu'on partirait pas pour coloniser? Non, là on peut pas. Hein. Peu dommage ça. Ouais, ça c'est par contre c'est plus gênant que la Flandre vienne coloniser par ici. On va essayer de les bloquer de toute façon. Vous voyez la Flandre qui avait pris tous les territoires ici, mais on pourra s'occuper d'eux plus tard s'il y a besoin. C'est pas un gros problème en soi. Ce qui est pas mal déjà, c'est qu'on a pris quelques territoires à la France. Ce qui veut dire que nos vassaux font déjà un bon travail de ce côté-là. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a quelques batailles navales d'ailleurs. La Hollande qui vient poser quelques petits problèmes. D'ailleurs, où est notre flotte actuelle? On va regrouper cela pour être un peu plus tranquille. Notre flotte est ici pour le moment. Bon, alors on va arrêter ça tout de suite. Et on va demander à la flotte de venir directement là. Ce qui sera beaucoup mieux, je pense. Que d'essayer de passer par le canal de Suez qui n'est pas terminé. 91 jours plus tôt, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, voilà ce que j'attendais. Que les armées françaises se rappliquent. Et on va essayer de mettre toutes nos armées pour le coup. Est-ce qu'on a augmenté un petit peu quand même en combat naval? On est à 30 combats naval. Combat militaire, pardon. Donc on va venir ici et on va demander d'ailleurs de faire retour ensuite. On va demander à eux aussi. Et ensuite on leur demandera de faire demi-tour. Le tout c'est de bloquer les armées. Voilà. Ça c'est beaucoup mieux. Donc on va même pouvoir arrêter les armées ici, je pense. Et une bonne bataille pour nous. En plus on a bien... Bon on a perdu quelques unités mais rien de bien... Occupe la province de Seneca. Ah, on a perdu la province ici. Bon, rien de bien dangereux en soi.
On va voir si Abenaki, maintenant, ils accepteraient la proposition. Abenaki, ils sont ici. Est-ce qu'ils accepteraient de donner leur province ici et ici? Oh, les trois provinces, ils accepteraient ainsi que tout leur or. Très bien. Ok, déjà, ça fait un adversaire en moins et ce sont des territoires qui sont récupérés pour l'instant par la Floride. Est-ce que ça fait bien partie de la Floride, ça? Région coloniale. Si, c'est bien ça, hein. Province d'outre-mer, région coloniale. Ah si, elle va jusque loin, hein, la Floride, d'accord. Bon, ben ça va pouvoir être intégré sans trop de problèmes, je pense. Et déjà là, on est en train de lui leur faire mal, hein, de prendre des territoires un peu partout. Ce qui nous arrange un petit peu, baisse un petit peu la puissance de la France. On va reculer temporairement cette armée-là. Et on va même inverser si on peut la puissance militaire. Ok, on va déjà mettre ça dans un état un peu plus acceptable. Accès militaire de Nassau, bon, on va accepter bien sûr, vu qu'ils sont en guerre contre la même armée que nous. Et pour le coup, ça c'est pas mal. On a réussi à briser les murs ici. Nouvelle colonie suffisante d'ailleurs. Dans les Samoa. Ah, c'est pas mal ça. Vraiment pas mal. D'ailleurs, il y a pas mal de colonies françaises par ici. Ou quoi que c'est peut-être Brunei pour le coup. Ah, sinon, c'est bien la France, d'accord. La France qui s'est répandue un petit peu de partout. Où est-ce qu'on pourrait coloniser pour bloquer l'extension des autres pays? Ça serait pas mal ça. On occupe la Caronto. Ouais, mais là, ça devrait pouvoir se gérer, je pense. C'est pas mal quand même. Oh purée, j'avais pas vu ça. Ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour le coup. Parce que ça peut être une défaite importante pour nous. Ouais, voilà, malheureusement, des grosses défaites. Mais on tient en termes d'armée. Ok, ça c'est bon. On va peut-être pas laisser autant d'armées ici. Et les mercenaires, on va les reculer. Et on va servir des mercenaires pour gonfler un peu nos armées. Donc là, on va mettre toutes nos armées de côté. On va les regrouper pour pas perdre trop d'hommes parce que là déjà on commence à être à des pertes assez importantes. Ok. Là on regroupe, là on regroupe. Donc là on a 5 bataillons, donc il nous en faudrait 5 qui vont aller là. Et là on a 6 bataillons, donc il nous en faut 4. Comme ça, on va remplacer petit à petit nos grosses armées par ce qu'il faut, ce qui sera pas mal. On va faire comme ça de ce côté-ci. On aurait 4 armées également. On a quasiment perdu toute notre cavalerie pour le coup. Donc là, on a 5 armées. Il nous en faudra 5 supplémentaires. C'est ça, hein. C'est ça, très bien. Donc ça nous permet de résister. Albenga, d'accord. Bon, on occupe ça, on reviendra le récupérer ensuite. Hein. C'est pas vraiment un problème. Pour l'instant, l'Autriche se remet doucement. Là, on a la Hollande qui prend quand même quelques dégâts. On a écrasé un petit peu les armées françaises, donc c'est pour notre plus grand plaisir. Et on va pouvoir remettre en état un peu nos armées. Ouais. Est-ce qu'on peut les avoir? Oui, très bien, on va les avoir. Donc autant le faire. Ici, on va revenir.
On devrait pouvoir tenir en termes d'armée. Allez, tenez mes braves soldats. Malheureusement, c'est cette armée-là qu'il va nous falloir. Ça va être un peu plus compliqué. Bon, tant pis, on lâche le siège et on reviendra ensuite. La bataille est trop importante. C'est bon, victoire! Ô combien importante. Alors on a perdu beaucoup de troupes, beaucoup trop de troupes d'ailleurs. Mais on a écrasé 19 000 canons, ce qui est extrêmement bien pour le coup. Bonne nouvelle, on a écrasé l'armée donc de l'ordre teutonique. Ce qui nous fait que l'ordre teutonique, lui, va avoir quelques soucis, je pense, de son côté. La Hollande, elle, est bien, pour l'instant, entourée, bien prise à partie, donc ça me va. Ok, ça c'est pas mal, il va falloir relancer. Il va falloir relancer, de l'infanterie. Ok, c'est pas mal. On va essayer de récupérer un petit peu. Alors, on va mettre les armées ici. Là, on a quoi? On va regrouper les deux armées, parce que je pense qu'on n'aura pas vraiment l'occasion sinon. On va faire comme ceci. On va décaler toute cette infanterie qui ne sert pas. On va les mettre ensemble de ce côté-ci. Voyons voir. Ça devrait être un peu plus jouable déjà. Bien. Mais là déjà, on est en train de faire flancher un peu la France, ce qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, c'est pas non plus super étonnant, mais va falloir quand même faire un peu attention. Ok, bien. Et ensuite, on va faire revenir les troupes sur nos territoires pour qu'elles puissent se régénérer un peu mieux. Mais on n'est pas trop mal. Ok, on occupe Armagnac. On va remettre l'armée du côté des Pyrénées. Et on va continuer à ramener des troupes en première ligne. Histoire d'être un peu prudent quand même. Ok, déjà c'est un peu plus acceptable. Ok, pas mal, pas mal. Ok, on gagne du achèvement du canal de Suez. Ah, oh, pardon. Alors, plus 5 combativité de faisceaux lourds. Achèvement du canal de Suez. Tout au long de l'histoire, les tentatives ont été faites pour relier la mer Rouge et la Méditerranée, d'une façon ou d'une autre. Mais aucune n'est parvenue à atteindre les résultats obtenus par l'entreprise. Alors que les navires devaient autrefois contourner un continent tout entier pour voyager entre l'Europe et l'océan Indien, cette barrière de terre que les capitaines sans nombre n'ont pas cessé de maudire durant des siècles a été touchée par tranchée, pardon, par nos astucieux ingénieurs. Pendant des décennies, personne n'a cru cela possible. Pourtant, nous ne sommes pas contentés d'y penser, mais nous avons mené aussi à bien ce projet. Donc du prestige, ça c'est pas mal. Casus Belli contre la Venise, pardon. On va y arriver. Pour l'instant, ils sont en train de prendre nos forts ou essayer en tout cas, c'est pas vraiment un problème. Tant qu'ils sont occupés par là-bas, nous on pourra prendre leurs forts à eux.
Et on va céder de nos bateaux d'ailleurs pour mettre la puissance en état. On occupe la Guyenne à nouveau. Très bien, on va juste reculer un petit peu. Et on va essayer de surveiller tout ça au mieux. Ils ont quand même de bons forts qui nous posent problème, mais de bons forts quand même. Alors, Libertas Ecclesiae. Vous gagnerez de l'argent. Vous gagnerez en loyauté et en prestige. Voilà, modification de coût de stabilité, influence papale, on est pas mal, on va remonter encore de ce côté-ci. On a perdu Luc, peu importe. Je vois encore des armées qui arrivent. Et apparemment, la Hollande semble subir... Ouf, la Hollande a énormément de guerres. Donc la Hollande, on va pouvoir la virer de la bataille, je pense. Sous peu. La Floride est faible, tout le monde est moyen, il reste que Gênes et l'ordre teutonique à gérer. Ce qui n'est pas rien hein, quand même, qu'on soit bien clair, mais au moins on sait qu'on peut les gérer eux. Commerce de fourrure, ça c'est pas mal, on a des troupes ici. On va pouvoir résister un petit peu là aussi. Il y a combien de troupes françaises? Il y a Mantoue pour le coup, qui accompagne la France. Mais il y a 23 000 hommes, 23 000 hommes de la France, 10 000 cavaliers, 13 000 canons. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Là, on va continuer, on va revenir un petit peu dans le pays, histoire de pouvoir se faciliter les choses et pouvoir éviter de perdre trop d'hommes. On va vérifier d'ailleurs où en est la France de ce côté-là. La France, il y a plus que 3 000 de réserves militaires, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir bientôt les écraser, je pense, ou tout au moins envisager sérieusement de les écraser. Alors, aspiration des colonies, perdre en mercantilisme, on va perdre en mercantilisme, on peut le gagner. On va y aller, on va mettre toutes nos armées dans le coup. Il est très important ce fort. Allez, voyons voir cette bataille-là. Ouf. Et peut-être même pour le coup. Allez, on tient, on tient. Allez, messieurs. Les Ashanti, on va pouvoir le faire revenir. Sofala, on va pouvoir le faire revenir. Cette bataille-là va être cruciale. Et elle est remportée ou pas? Allez, est-ce qu'on va y arriver? Ah, 129 000 troupes. Alors, ils ont perdu beaucoup plus que nous. Donc, d'accord. On va dire que c'est pas si mauvais que ça. On aurait pu faire mieux, mais on va pouvoir remonter nos armées. Et nous, on a encore des réserves. Ce qui n'est pas le cas forcément de nos adversaires. Donc, tant mieux. On va essayer de tenir et de repartir en guerre. Ah d'accord, ils nous ont carrément détruit toutes nos armées là. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ok. On va remettre nos armées en état. 103 000 troupes. Ils en ont autant que ça, la France. 80 000 pourtant. Mais ils ont 59 mercenaires pour le coup. Après, ils ont plus ou très peu de réserves militaires, ce qui est en soi pas forcément une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on peut recruter? Ouais, non, ce serait pas intéressant pour nous, ça. Mais en soi, que fait pour l'instant? Ça serait pas mal de pouvoir virer la Hollande de la bataille.
Surtout rétrocéder Nassau. Non, c'est quoi? Pour l'instant, ils accepteraient pas. Pour l'instant, ils sont quand même, ils subissent des gros dégâts, mais là, elle est occupée par Nassau, d'accord. Donc, on peut pas la récupérer pour nous. Ce qui est un peu dommage. On a récupéré quelques armées, mais c'est pas suffisant. Ok. Après, les armées françaises prennent un 3.2 dans la vue, ce qui m'arrange un petit peu. Voyons voir. Une armée ou... Ok. Pour relier les deux, ce qui est pas mal, on va l'écarter. Va falloir qu'on recrée des canons, je pense. Bon, pour l'instant, on les a bloqués quand même sur quelques territoires. C'est pas suffisant, hein, clairement. Mais 25 ans de légitimité. On va perdre en légitimité, tant pis, on la récupérera ensuite. On va regrouper toutes les armées ici, sélectionner. On va regrouper. On va aller sur les Pyrénées. Mais on sait qu'on peut leur faire mal. Déjà là, on leur a fait mal et regardez, c'est en train de partir de ce côté-ci. Nassau est en train de prendre la France. Donc déjà, suivant quelles provinces vont tomber, ça peut être un avantage pour nous. Il va falloir qu'on reconstruise des armées pour le coup. Voir qu'on aille chercher carrément toutes nos flottes. Allez, on va repartir par là-bas. Et là, on n'est pas trop mal. Va falloir juste faire attention. Et est-ce qu'on peut se permettre vraiment de construire une armée standard? J'ai bien envie de dire oui, hein, sincèrement. Ok. Ça c'est bon, notre flotte ici va bientôt arriver. Ok. On a une armée ici aussi, on va reprendre un petit peu les territoires. On va reprendre Luc. Oh, quoique, on va même aller aider directement. Peut-être aider directement notre général. Non, quoique, ça serait peut-être mieux de mettre celui-là, qui est beaucoup plus efficace, qu'on puisse venir aider rapidement l'Autriche, et que l'Autriche nous soit utile. Donc on va surveiller cette bataille-là. On va être un peu prudent quand même. On va se mettre sur Mantoue. Oula, ça je l'avais pas vu. Allez, est-ce qu'on va pouvoir tenir cette bataille-là? Ça serait bien. Il arriverait le 30 juin. Donc le mois. Ah, dommage, on a perdu la bataille. Ok. Ça, c'était pas une bonne bataille, c'est dommage. Mais clairement, il faudrait qu'on se mette dans des... voir la province, ouais, c'est pas des provinces qui sont intéressantes pour nous dans l'immédiat. Là.
Après, on pourrait demander aussi à nos vassaux exiger un soutien militaire. Ils vont perdre en loyauté, ça va les faire tomber à 31. Et après, on les montrait en tradition, mais ça serait... La loyauté, non, c'est l'influence qui augmente.